Un livre, c'est toujours bon pour le moral. Et pendant cette période de Coupe du Monde, le football est à l'honneur. Je vais vous présenter un livre pour enfants sur le football et l'intérêt d'avoir un ballon. Ce livre s'appelle « Enfants du monde, enfants du foot » parce que justement, le football, c'est un jeu international. Tous les enfants du monde peuvent jouer au football. Qu'on soit riche, pas riche, dans la boue, dans la pluie, dans la rue, dans un club, garçon ou fille, on peut jouer au football et c'est une communion entre les enfants. Même en Tanzanie où ils n'ont rien du tout, voilà comment ils jouent au football, avec une grosse balle faite de tissu. Au moins, ils peuvent jouer au foot et être contents et être heureux et rencontrer d'autres copains. C'est le but, comme son nom l'indique. Vous avez 18 pays qui sont représentés. On a le Brésil, on a la France, les États-Unis, la Chine, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne. C'est vraiment une explosion de couleurs aussi. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir visualiser toutes ces équipes et de voir dans le monde entier où elles sont positionnées. Pour les enfants qui ne connaissent pas tellement leur géographie, là ça visualise et en plus avec le football comme fond. Alors moi ce livre m'a plu parce qu'il est didactique. Je pense que c'est une façon d'aborder la Coupe du Monde, d'abord en dehors de la télévision malgré tout, parce que c'est comme un livre. Il apprend aux enfants la différence. Dans tous les pays, ils ont un point commun, c'est le ballon. Le football, les ballons, c'est pour tous les enfants du monde. Ils sont tous différents, mais tous pareils. Et c'est ça qui est important. Voilà. Ce livre qui a été fait par Rue du Monde vaut 16 euros. Vraiment, je conseille pour les jeunes enfants à partir de 5-6 ans, dès qu'ils tapent dans un ballon et que le foot les intéresse. La prochaine fois, je vous propose un livre d'art, un japonais qui fait des dessins sur Venise. Abonnez-vous! Une belle boule de chiffon qui représente un beau ballon de football et je trouve pas la page. C'est très intéressant que les enfants sachent. Non, je suis pas très gay. Hein. La France a gagné hier soir. Non. Je peux pas dire ça. Je sais, c'est pour ça que j'ai... Bon, je recommence.